de la Jaspo, de la DRTE, du CASPP, de la DGS, de la Terre. Et les agents sont en grève contre l'organisation des temps de travail. Non, madame Hidalgo, nous ne voulons pas travailler plus. Nous voulons travailler bien et nous voulons travailler tous. Et là, tu vois, par exemple, là, typiquement, je porte un masque FFP2, c'est un masque de la vie de Paris, on les a eus, c'est un an après. Donc, on est protégé maintenant, on est protégé. Donc, on a des tests.
sur la zone d'accueil surveillance dans les espaces verts. On s'est mobilisé aujourd'hui parce que tous les corps de métier vont être impactés. Donc on est en fin de compte, on est tous solidaires pour défendre nos acquis. Et on va se battre jusqu'au bout pour garder nos acquis. Là en ce moment on se prépare la réforme sur la police municipale qui est en train d'être mise en place. Et l'inquiétude des AS et des inspecteurs, c'est surtout au niveau des cycles horaires. Ils peuvent par exemple nous faire travailler, nous les AS, du lundi au vendredi. Donc on travaillerait plus le samedi et le dimanche. Donc on perdrait tous nos primes, c'est-à-dire les jours fériés, le travail en roulement. Et cette charge de travail qui était notre travail avant la réforme, les futurs policiers municipaux vont s'occuper de cette tâche le samedi dimanche. Donc du coup, nous, on risque de tout perdre. Voilà, on risque vraiment de tout perdre. On pourrait aussi éventuellement, comme il fait beau pendant la période estivale, nous mettre des cycles, des amplitudes de 9h, voire 9h30 en été, et 6h et 7h en hiver. Donc ça ne nous convient pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on s'est mobilisé aujourd'hui. Et puis voilà. Donc, et on est solidaire avec tout le monde. J'espère qu'on va récupérer nos acquis en fin de compte. Voilà. Merci. Paris à l'appel d'une intersyndicale. C'est peut-être la cinquième ou sixième journée de mobilisation de ce type-là sur les quatre derniers mois. On se mobilise contre un projet de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de nous supprimer. Au départ, c'était une suppression de 8 jours de congé. Il y a une loi qui a été votée il y a 2 ans, qui s'appelle la loi de transformation de la fonction publique, qui doit augmenter le temps de travail des fonctionnaires, là où notamment dans certaines villes on a pu gagner des réductions de temps de travail dans le passé. Donc, je te passe les détails techniques, mais ça se traduit par Hidalgo, la plus justement 8 jours de congé. Et nous, ce qu'on défend depuis des mois, c'est le fait que même en appliquant la loi, elle a des moyens légaux de compenser cette perte et que notre temps de travail reste tel qu'il était jusqu'à maintenant. Donc y a des grèves, il y a des manifestations, il y a des actions. Et depuis hier, il y a une petite avancée, puisque nous on défendait le fait qu'elle pouvait créer ce qu'on appelle des suggestions, des choses de suggestions. C'est-à-dire c'est des formes de réduction de temps de travail pour reconnaître la pénibilité de tel ou tel métier. Et on défendait la création d'une suggestion pour tous les agents de la ville. Et hier, pour la première fois, ils ont annoncé 3 jours. La création de 3 jours pour les agents, ce qui fait que on en est à 8 jours perdus, 3 jours gagnés, et nous on continue parce qu'on veut gagner les 5 qui nous manquent. Évidemment, cette mobilisation elle rentre en écho avec ce qui se passe depuis plus d'un an, c'est-à-dire que les fonctionnaires territoriaux, les agents de la ville, la plupart des corps de métier ont été en première ligne. Bon, toi, tu parlais des animateurs, des animatrices. C'est le cas aussi de tous les collègues qui bossent dans les écoles, de tous les collègues qui bossent dans les crèches. C'est le cas aussi, moi, je suis bibliothécaire. Les bibliothèques, globalement, elles sont restées ouvertes. On a dû faire face à tout un tas de contraintes sanitaires. En plus, avec des normes qui n'ont pas arrêté de changer. Il a fallu s'adapter. Ça n'a jamais été simple.
Il y a quand même un truc un peu symbolique et un peu dingue. Ce qui se passe, c'est que comment on espère maintenant qu'on va sortir de cette crise. Hidalgo, elle nous a envoyé tous un courrier pour nous dire merci, vous avez été formidable, etc. Et on avait un slogan aujourd'hui qui était les merci, on s'en fout. On veut nos 8 jours, c'est tout. Ça résume quoi. C'est-à-dire, on n'en a rien à foutre de ces lettres qui nous remercient. Si son merci, c'est de nous supprimer 2 jours de congé, c'est absolument méprisant, cynique et scandaleux quoi. Oui, il y a quand même un lien avec ça. Il y a plein de collègues qui ont été au fond, qui ont été confrontés au virus, etc. Et à toutes ces contraintes quoi. Et alors, moi je ne connais pas tout ce qui se passe pour l'école de métier. Je peux juste te parler de mon métier, moi, de bibliothécaire. Nous, on avait gagné des formes de réduction du temps de travail dans le passé, lié au fait qu'on travaille le samedi, lié au fait qu'on travaille tous les soirs jusqu'à 19h, et lié au fait que maintenant, tu as plus qu'un tiers des bibliothécaires à Paris qui travaillent le dimanche. Donc, par rapport à la vie personnelle, à la vie familiale, c'est des vraies formes de pénibilité, le rythme de travail, de bosser le samedi, de bosser le dimanche, etc. Et en fait, ce qu'on avait gagné risque de sauter avec ce qu'est en train de proposer Hidalgo. Parce que tout un tas de réductions de temps de travail qui avaient été gagnées par métier risque de sauter avec cet accord. Donc voilà, donc tous les forces de métier sont concernées par rapport à ça. Défendre la question de nos congés suite à une réforme de la fonction publique. En gros, la ville de Paris et toute la fonction publique territoriale, on supprime les jours de congés pour soi-disant nous mettre donc à 35 heures par semaine, voilà, alors qu'en fait on les fait déjà, et que justement la question du temps de travail, depuis très longtemps dans la fonction publique territoriale, ça a été, la diminution du temps de travail était utilisée pour compenser le fait qu'on n'était pas payé plus, parce qu'en fait nos salaires ont été gelés depuis 20 ans. Et donc là, en fait, on nous remet, après 20 ans de gel de salaire, on nous remet du temps de travail en plus, donc c'était la seule compensation qu'on avait. Donc évidemment, on se bat contre le fait qu'il y ait ces mesures de congé qu'on nous retire pour nous faire travailler en plus. Moi, je travaille en mairie d'arrondissement, donc évidemment, la question des 8 jours, bah voilà, ça fait 8 jours de congé en moins. Comme on a des cycles fixes, c'est-à-dire on a des horaires imposés, tout ce qui est tout ce que la ville nous raconte pour dire qu'on va pouvoir compenser cette perte de congé en travaillant plus. Alors, en fait, c'est pas vrai, parce qu'en fait, on a des horaires imposés, on peut pas choisir et générer plus de RTT comme ils nous essaient de nous vendre. Par ailleurs, en termes de services publics, on sait bien qu'il manque plein d'effectifs dans les services. Et ça a des conséquences évidemment sur la qualité du service public, parce que là on voit bien, y compris avec la période Covid, où tout est fait sur rendez-vous, donc en fait il y a de moins en moins d'accueil au public, et donc ça veut dire tout est par rendez-vous, sur internet, etc. Donc ça veut dire que l'accès au service public, il est de moins en moins possible pour plein de gens, qui n'ont pas accès au numérique, etc. Malheureusement, même quand tu as accès au numérique, des fois c'est tellement n'importe quoi la façon dont c'est fait, et c'est tellement pas clair que en fait tu n'y arrives pas, et tu as besoin d'un contact humain. Et le problème, c'est qu'ils sont en train de liquider ça. Ils font le minimum, pas dire qu'ils liquident totalement l'accès au public, mais en gros, évidemment, quand tu vas en mairie et qu'en fait on te dit ah bah non, tu peux pas rentrer parce qu'il faut un rendez-vous, c'est quand même chiant que le service public soit pas capable de tenir le public. C'est quand même l'objectif normalement. Et bon, avec le Covid, ils en ont profité pour faire passer plein de choses comme ça. Et pareil dans les métiers administratifs, c'est le télétravail, donc ça veut dire moins
de moins en moins de contact humain. Et donc c'est un vrai problème pour la qualité du service public. Avec le manque d'effectifs, ça fait qu'en réalité, bah, on est de moins en moins capable de répondre au service public. Et ce qui est en train de se développer, c'est de refiler l'émission de service public à des associations qui travaillent dans des conditions de précarité énormes. Enfin, voilà, ils sont en train de casser le service public par ces choses-là. Et évidemment, c'est ce qui est en train de se développer par la transformation publique, dont une des conséquences, c'est la question des jours de congé. Donc c'est aussi pour ça qu'on se bat, c'est pour non seulement la question de l'emploi, parce qu'il faudrait qu'il y ait des embauches. Et donc, le fait qu'on nous diminue nos jours de congé et qu'on nous augmente le temps de travail, bah, ça va éviter à la ville d'embaucher alors qu'il y aurait besoin. Et pareil, dans la période de crise sociale dans laquelle on est, partager le travail, ça semble normal. Et c'est ça aussi qu'on défend. Y a plein de gens qui galèrent parce qu'ils travaillent trop, et il y a plein de gens qui galèrent parce qu'ils n'ont pas de travail. Donc il faudrait partager pour tous mieux vivre. Quoi.